Retour gagnant. Retour gagnant. Question pour un champion avec les deux meilleurs candidats, non pas de la soirée, mais de la semaine. Ils étaient 20 au départ. Ils sont plus que deux. Alors, on va voir ce que ça va donner. Les deux meilleurs candidats sont là. Nous avons donc Grégoire Sainte-Geneviève-des-Bois, Michael Creusier-le-Vieux dans l'Allier. Vous avez 20 secondes pour répondre à chaque question. Chacun votre tour pour répondre ou laisser la main. Nous allons jouer ce match en 15 points. Et le premier qui a 15 points, champion, il décroche sa place pour les super champions du dimanche. Michael va commencer. Moi, je dis animaux. Question. Indice. Décision. Je prends la main. Top grand mammifère domestique pouvant être des races Nonius, Katiawari, Mangalarga. Je passe une grande partie de la journée à brouter si je suis en liberté. Oui. Zébu. Non. Non, non. Top capable de somnoler debout, les oreilles en position latérale et les antérieurs joints. Oui. Le zèbre. Non. Toi, je suis notamment caractérisé par ma couleur, la robe, dite par exemple alzane ou bé, équidé. Oui. Le cheval. Le cheval, bien sûr. 3-0. Littérature. Littérature, c'est à Grégoire de jouer. Je prends la main. Roman. Roman français publié en 2012 par un publicitaire. J'obtiens rapidement un grand succès. Je suis adapté au cinéma en 2014 avec Mathilde Seignier. Me déroulant dans la ville d'Arras, j'ai pour héroïne une femme mariée modeste qui tient une mercerie et qui anime un blog intitulé « 10 doigts d'or ». Roman de Grégoire Delacour, racontant comment réagit Jocelyne Guerbette lorsqu'elle gagne plus de 18 millions d'euros à la loterie. Et donc, j'anime ce blog intitulé « 10 doigts d'or ». C'est la liste de mes envies. 3-0. Sport. Sport, Michael. Je prends la main. Art martial. Dont la première école française a ouvert en 1905, j'ai été pratiqué par des samouraïs avant d'être utilisé par les bandits, ce qui m'a longtemps valu une mauvaise réputation. Oui. Le judo. Donc, concernant à la fois le combat à main nue, le combat contre un adversaire armé. Oui. Le kung-fu? Non. Donc, ma pratique contemporaine est considérée comme une méthode efficace d'autodéfense. Oui. Le taekwondo? Non. Donc, art martial dont le judo est en partie issu. Le bushido? Non. Donc, mon nom signifie... Oui. Le karaté? Non. Donc, art de la souplesse, oui. Le jiu-jitsu? Oui, exactement. Ça, c'est pour vous, Grégoire. Culture générale. En voulez-vous, Grégoire? Oui, s'il vous plaît. Prénom féminin. Oh, merde. Je suis la transcription d'un adjectif grec signifiant la verdoyante, appliqué à la déesse des moissons Déméter. Donné en littérature à l'héroïne du roman de Boris Vian, L'écume des jours. Je suis associé dans une œuvre classique de l'écrivain grec Longus. Oui. Diane? Non. Top qui met en scène deux enfants élevés par des bergers au prénom masculin Daphnis. Oui. Chloé? Bien joué. Daphnis et Chloé. Chloé, joli prénom. 5, 3. Que dit Michael Botanique? Je laisse la main. Ta variété d'un fruit pouvant être dite de Hambourg, Autonel, d'Alexandrie. Je suis probablement originaire d'Asie mineure. Oui. Les nèfles? Non. Top cépage pouvant être blanc ou noir. Je constitue une grande famille qui comprend à la fois des raisins de table et des raisins de cuve. Variété de raisins devant mon nom à ma saveur musquée. Je sers à produire des vins doux, aromatiques, notamment Frontignan, Rivesalt, Baume de Venise, oui. Le muscat? Muscat de Frontignan, bien sûr. Muscat de Rivesalt. De Lunel, de Baume de Venise, le muscat. 7-3. Et là, Grégoire est en tête. Assez nettement, architecture. Je prends. Architecte. Né en 1814, notamment l'auteur du dictionnaire raisonné de l'architecture française du XIe au XVIe siècle. Employant souvent... Oui. Doré? Non, non. Top, dans mes constructions, un décor floral annonçant les motifs de l'art nouveau. Je me suis également illustré au restaurant l'abbatiale de Vézelay et Notre-Dame de Paris. Architecte ayant travaillé, oui. Viollet-le-Duc. Bien sûr. Non, mais là... J'avais plus vu ça. Eh oui, mais là, c'est le tournant du match, oui, à mon avis. Oui. Il ne faudra pas s'étonner après, parce que là, il fallait absolument revenir. Et là, il l'avait dès que je dis restauration de Vézelay de Paris, et restauration de Notre-Dame de Paris. Il a travaillé à la reconstitution du château de Pierrefonds, la restauration de la cité de Carcassonne. C'est Viollet-le-Duc, Eugène Viollet-le-Duc, 9-3. Santé médecine pour Michael. Je prends la main. Processus physiologique. Je mets d'abord en action un mécanisme involontaire appelé péristaltisme.
faisant intervenir des sécrétions contenant de l'acide chlorhydrique. Oui. Un réflexe? Non. Tu avais des enzymes comme la... Oui. La digestion? Ah oui. Les enzymes. Les enzymes. Ensemble de processus mécaniques et biochimiques assurés par un appareil comptant l'œsophage, le foie, le pancréas, l'intestin grêle. C'est la digestion. 13 à 3. Et Grégoire survole ce face-à-face. On est d'accord, il est là, il joue maintenant pour le match, la question, le titre de champion et surtout pour une place dans nos émissions dominicales. Musique. Grégoire, musique. Je prends la main. D'accord. Ton groupe de rock français créé en 69, je le fais d'abord remarquer avec des compositions originales fortement teintées de rock progressif et de blues, avant d'être rejoint 2 ans plus tard par le chanteur Gérard Blanc. À l'affiche en 73 du premier opéra rock français, La Révolution française. Je signe des succès comme Je m'éclate au Sénégal. Ah oui, oui. Le Martin Circus. Martin Circus, voilà. Terminé. Et c'est gagné. Bravo, même pas fait. Grégoire réalise un retour gagnant. Bravo Grégoire. Et bravo Michael. Vous pouvez rejoindre vos places. Martin Circus, Je m'éclate au Sénégal, Marilène, Drag Party, groupe dissous au milieu des années 80. Martin Circus, on s'arrête là. Bravo Grégoire. Bravo Michael. Allez, Grégoire et Michael, ici au milieu, juste à côté de moi. Voilà, ici. Alors, c'est le dernier jour de notre concours, 10 000 euros à gagner. Quelle expression faisant allusion à un animal signifie qu'on est enroué? Prendre quelqu'un sous son aile, réponse 1. Avoir un chat dans la gorge, réponse 2. 3243, allez-y maintenant, par téléphone. 3243, par SMS, vous tapez 1 ou 2, 7, 10, 20. Tirage au sort parmi toutes les bonnes réponses. Bravo, Michael. Bravo, Grégoire, qui gagne le match sur 20 candidats au début de la semaine. C'est lui qu'on emporte. On vous retrouvera donc dans une émission dominicale. Et à propos de nos émissions dominicales, on a rendez-vous demain. Demain, dimanche. Et demain, question pour un super champion avec Philippe qui jouera pour une deuxième victoire dans ses questions pour des super champions. Bonne soirée à tous et à demain, 18h. Merci, au revoir, à demain.